Denis Masseglia, pilote 31 du Desert Bus. Aujourd'hui, pourquoi je suis convié? C'est parce que je suis peut-être le premier député qui ait dit qu'il aimait le jeu vidéo et qui a créé le groupe d'études sur les jeux vidéo à l'Assemblée nationale qui vise à faire une veille sur 5 thématiques principales que sont l'industrie du jeu vidéo, l'e-sport, l'addiction, la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo et enfin le serious gaming. Je fais partie de cette génération qui arrivait avec le jeu vidéo. Tout gamin, j'ai joué avec la NES. Après, j'ai eu une Super Nintendo, avec bien sûr Street Fighter 2 comme beaucoup. Mais j'ai vraiment aimé deux jeux qui ont vraiment marqué ma jeunesse. C'est Dragon Ball, la légende Saiyan, et Zelda, A Link to the Past, qui est un jeu extraordinaire. Et puis après, je suis passé au jeu en ligne avec World of Warcraft, sur lequel j'ai passé un peu de temps et j'ai eu des résultats nationaux non négligeables. Desert Bus, il faut toujours cliquer à gauche pour se recentrer et appuyer sur le bouton accéléré tout le temps. Il est intéressant, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire des freins à main ou des trucs comme ça, mais il n'y avait malheureusement pas l'option. Je veux vraiment remercier tout ce qui est fait par l'ensemble des bénévoles ici pour le Desert Bus et essayer de trouver des financements pour ces jeunes et leur permettre de pouvoir faire leur passion. Je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre en avant. C'est toute notre jeunesse aujourd'hui qui s'investit pour des valeurs qui sont importantes. Et je pense qu'on ne dit pas assez tout ce qui est fait par le milieu du jeu vidéo.